Bonjour, c'est le cinquième match de notre grande rencontre du Club des ingénieurs. En fait, c'est un tournoi de cinquième année aujourd'hui avec les équipes en super forme qui sont de Kino Gévis de Rouyn-Noranda, l'équipe A avec Liam, bonjour. Bonjour. Christophe, bonjour. Bonjour. Bonjour Anaïs. Bonjour. Et bonjour Rosemary. Et l'autre équipe en forme avec, avec laquelle on va jouer, c'est Notre-Dame de Lourdes de la Corne avec Naomi. Bonjour Naomi. Bonjour. Bonjour Anne-Marie. Bonjour. Bonjour Dorothée. Bonjour. Et bonjour Rémi. Bonjour. Vous êtes en forme? Oui. Ben, tant mieux. Oui. Alors, Liam, tu choisis le premier parmi films animés, pays, notions scientifiques, sport, cris des animaux, terre ou invention? Pays. Pays. Allons-y. Prenez votre papier, votre crayon, on fait des anagrammes de pays. Alors, on va chercher des pays. Fait que vous tenez votre crayon d'une main, la manette de l'autre, et vous appuyez tout ça sur votre papier qui va tenir. Et on y va avec les premières lettres. D, N, A, A, C, A. Liam. Canada. Canada, c'est bon. Le prochain. E, A, I, L, T, I. Rosemary. Italie, c'est bon. Le prochain, troisième. S, L, U, A, E, A, I, T, R. Liam. États-Unis? Non, réplique. C'est trop long. Australie. Et le dernier, M-E-E-G-A-L-N-L-A. C'est trop long. Allemagne, il était trop long. J'ai manqué de patience. Naomi, c'est toi qui choisis maintenant entre film animé, notions scientifiques, sport, cris des animaux, terre ou invention? Cris d'animaux. Cris des animaux, ce sont des collectifs, donc on n'a plus besoin de crayon. On garde la manette cependant. Quel est le cri d'un chat? Rosemary. Miaou. Pardon? Miaou. Miaou. OK. Réplique. Pour Anne-Marie. Un miaulement. Miaulement. Vous ne voulez pas que tu imites le chat, j'aurais dû le dire. Hein? Mais c'est le miaulement ou le ronronnement. Mais c'est, ça ressemblait, par exemple. Deuxième. Quel est le cri de l'éléphant? Imitez-les pas, là. Le cri de l'éléphant. C'est le barissement ou le barrettement. Quel oiseau de basse-cour cacarde, criaille ou siffle? Anaïs? La poule? Non. Réplique. Pour Anne-Marie? Le corbeau? Non plus. C'est une oie. Et finalement, quel animal clapit, glapit ou couine? C'est un lapin. Encore, Christophe! Va voir, t'as le plus vite un petit peu. Parce que là, je te coupe. Pas fin, là, mais c'est de même. Liam? C'est toi qui choisis maintenant entre sport, terre, invention, film animé ou notion scientifique. Sport. Sport. Allons-y, c'est un vis-à-vis. Alors, Liam et Naomi, on vous pose la première question et ça touche du sport. N'importe quel type de sport, vous allez voir ça. Durant l'hiver, on pratique le hockey sur glace, mais durant l'été, on le pratique sur le quoi? Liam? Le gazon. Le gazon, effectivement. Deuxième question pour Christophe et Anne-Marie. Quel sport se pratique lors du Tour de l'Abitibi en juillet? Oui, Anne-Marie? Le vélo. Le vélo, ben oui, c'est ça, c'est du cyclisme. C'est correct. Anaïs et Dorothée, au curling, comment se nomme la partie centrale des cercles? Dorothée? Maison. La maison, c'est bon. Et pour Rosemary et Amy, ce sport consiste à danser sur la glace et à faire des sauts. Rosemary? Oui, c'est bon, et patinage artistique, c'est correct. Naomi, est-ce qu'on va parler de terre, invention, film animé ou notion scientifique? Notion scientifique. Ça marche. C'est collectif.
Tout le monde joue. Quel autre nom donne-t-on à l'écorce terrestre? C'est comme ce qu'il y a autour du pain. C'est la croûte terrestre. Non, mais là, là. Franchement. Deuxième. Quel liquide circule dans un arbre? Christophe? La sève. T'as eu le temps, là, hein? C'est bon, c'est correct. Troisième. On lâche pas. La matière se présente sous la forme d'un solide, d'un liquide ou d'un gaz. Comment classes-tu l'élément suivant? Charbon. Est-ce que c'est un solide, un liquide ou un gaz? Pour Dorothée. Un gaz? Non, réplique. Liam. Solide. Solide, oui. Et quelle sorte d'énergie produit la chaleur? Comment on appelle l'énergie produite par la chaleur? C'est de l'énergie thermique. Liam, on va parler de quoi, là? De terre, d'invention ou de film animé? Terre. De terre. Allons-y avec la terre. C'est un châssis croisé. Donc, Liam et Amy, première question pour vous, ça touche la terre. La terre possède combien de pôles? Liam? Deux. En effet, le nord et le sud. Christophe et Dorothée, deuxième question. Quel satellite naturel tourne autour de la Terre? Dorothée? Le soleil? Non. Réplique, Christophe? La lune. La lune. Troisième question pour Anaïs et Anne-Marie. Que retrouve-t-on au centre de la Terre? Anne-Marie? Le noyau. Le noyau, c'est bon. Le noyau central ou interne, c'est correct. Et pour Rosemarie et Naomi? Qu'est-ce qui recouvre la plus grande partie de la surface de la Terre? Rosemarie, de l'eau, en fait, c'est 70 % ou autour. C'est bien. Naomi, est-ce qu'on va parler d'invention ou est-ce qu'on va parler de films animés? Invention. D'invention. Alors, c'est une identification par indice. Pour 40 points, tout le monde joue, c'est collectif. Il fut inventé par Georges de Mestral en 1941 suite à une balade en campagne avec son chien. À la campagne avec son chien. Pour 30 points, on en retrouve autant sur les souliers que dans les navettes spatiales. On parle aussi de scratch ou de crouche par référence au bruit qu'il produit. Pour Naomi? Velcro. Oui, c'est le velcro, effectivement. Cette invention est constituée de bandes de tissu, de velours et de crochets. Fait que velours, crochet, velcro, c'est M. de Mestral qui a inventé ça. Donc, c'est bon pour 20 points, Naomi. Il nous reste une série collective de films animés. Donc, tout le monde joue. Dans le film « La Reine des neiges », comment se nomme le bonhomme de neige? Dorothée. Olaf, c'est bon. Dans le film « Rebelle », qui fait la voix québécoise de Mérida? Liam. La reine? Non, réplique. C'est Marie-Lou. Comment se nomme l'université où étudient Bonne et Sully dans le film « L'université des monstres »? C'est l'université de la peur. Et dans le film Les Incroyables, quel est le pouvoir de Monsieur Incroyable? Liam? La force. Exactement. La force surhumaine. Et tout à l'heure, on a posé une question avant que l'émission ne commence, la question Desjardins, ce qui touche à l'économie, la consommation, l'épargne et tout et tout. Et il fallait que les joueurs répondent à la question ou complètent la phrase plutôt. Lors de l'achat d'un produit, on doit conserver la facture comme, et là, il y avait un paquet de lettres pour faire deux mots et demi, c'est-à-dire AAC, EEH, UPD, D'RV, UPT plutôt, D'RV, et c'était preuve d'achat qu'on voulait avoir comme réponse. Et le pointage de cette question Desjardins, on a eu 10 points dans l'équipe de Kinojivis et aucun point dans l'équipe de Lacorne. On commence le deuxième bloc avec Naomi maintenant, qui va choisir entre
Personnalité du Québec, santé et sécurité, histoire, fruits, symboles, formes géométriques ou vocabulaire. Fruits. Fruits, c'est un vis-à-vis. Alors, on y va avec Liam et Naomi pour les questions portant sur les fruits. De quelle couleur est la banane avant qu'elle ne soit mûre? Liam. Vert. Oui, c'est plutôt vert. Christophe et Anne-Marie. Ce fruit sert surtout à la fabrication du vin. Pour Christophe? Le raisin. Le raisin, c'est bon. Anaïs et Dorothée. Ma peau est marron, couverte de poils doux, et je suis à chair verte. Dorothée? La pêche. Non. Anaïs? L'avocat. Le kiwi. Marron, c'est brun, hein? À poils doux. Et Rosemary et Amy? Que retrouve-t-on dans une bleuetière? Anne-Marie? Rosemary? Des bleuets. Des bleuets. Il y a aussi des ours, des fois, mais c'est des bleuets, effectivement. Liam, tu choisis symbole, forme géométrique, personnalité du Québec, santé, histoire ou vocabulaire? Histoire. Histoire. Tout le monde joue? Et pour la première question, il y a un choix de réponse. En quelle année la population mondiale a-t-elle atteint le milliard d'habitants? Est-ce que c'est en 1604, 1704 ou 1804? Naomi. 1704. Non. Réplique. Pour Liam? 1904. Non. 1804. 1900 n'était pas dans les choix. 1804. Deuxième question. Quel était le prénom du grand général romain César? Anaïs? Jules, oui. Dans la Rome antique, comment se nommaient les personnes qui se combattaient dans une arène? Pour Christophe? Les gladiateurs. Les gladiateurs, c'est bon. Et selon la croyance populaire, dans quel pays se trouve la seule construction humaine visible de l'espace? Rosemary? En Chine. En Chine, et on dit que c'est la Grande Muraille. Mais c'est en Chine. Naomi? On choisit parmi santé et sécurité, personnalité du Québec, vocabulaire, symbole ou forme géométrique. Personnalité du Québec. Allons-y avec des collectives. C'est l'ex-animatrice de l'émission Les enfants de la télé. On cherche le personnage, la personne. Anaïs? Véronique Cloutier. Oui, t'as pas l'air sûr, hein, mais c'est elle. Véronique Cloutier. Deuxième. C'est la femme ou l'épouse de Guillaume le Métis Vierge. Amy? Non. Oui? OK. Réplique. Anaïs? Marie-Louise. Oui. Trois. Humoriste et acteur québécois, il joue dans Les Beaux Malaises. Pour Naomi? Martin Matt. Oui. Et il est reconnu pour avoir commencé dans son émission Flash tes lumières. C'est Jean-Marc Parent. Liam, santé et sécurité, histoire, vocabulaire, symbole ou forme géométrique? Santé et sécurité. Allons-y, c'est un chassé-croisé. On parle à Liam et Amy pour la première question. En général, pourquoi faut-il respecter les règles de sécurité? Liam. Exactement, mot à mot. Et en même temps, on peut rajouter qu'on va se garder en bonne santé. Deuxième question pour Christophe et Dorothée. Lors d'une baignade, pourquoi ne dois-tu pas mettre la tête de ton ami sous l'eau? Oui, Dorothée. Parce qu'il pourrait se noyer. Mais oui, surtout si tu laisses ça longtemps. OK. Anaïs et Anne-Marie. Quels sont les bienfaits valides sur la santé de la consommation fréquente de tabac? Réponse? Il n'y en a pas. Aucun bienfait. Et Rose, c'est pour ça que vous n'en trouviez pas. Hein? Rosemary et Naomi, que suis-je? J'ai une belle couleur rouge à l'intérieur comme à l'extérieur. Je pousse en grappe ou en solitaire. Je contiens 95 % d'eau, de la vitamine A et réduite en sauce, j'accompagne à merveille les pâtes alimentaires.
Pour Rosemary? Les tomates. Exactement, la tomate, c'est bon. On est rendu à qui à choisir, là? Naomi, est-ce qu'on va parler de histoire, de vocabulaire, de forme géométrique ou de symbole? Vocabulaire. De vocabulaire, allons-y avec un rachat. Donc, la première question est pour Liam. 20 points avec une bonne réponse, 10 points pour le rachat dans l'équipe en cas de mauvaise réponse de Liam. Débutant par la lettre J, quel mot désigne le cercle extérieur de la roue sur lequel est fixé le pneu? Rachat dans l'équipe. Non, c'est une jante. Christophe, comment désigne-t-on l'auteur de scénario pour le cinéma ou la télévision? Réalisateur. Non. Réplique. Rachat dans l'équipe, plutôt. Celui qui fait le scénario est un scénariste. Anaïs, commençant par la lettre C, c'est un périphérique te permettant de dactylographier un texte. Rachat dans l'équipe. Liam? Je sais pas, une calligraphie. Non, c'est un clavier. Et pour Rosemary, débutant par les lettres D, E, accent aigu, quel mécanisme sert à faire passer la chaîne de vélo à une vitesse supérieure ou inférieure? Rachat? C'est un dérailleur. Naomi, maintenant, commençant par la lettre C. C'est un voyage en auto par groupe de deux ou plusieurs personnes. Réponse? Rachat? C'est le covoiturage. Anne-Marie. Il n'y a pas de consultation, on ne se parle pas. Anne-Marie. Une personne, ça ne commence pas nécessairement par C, là. Une personne qui fait de l'amnésie perd quelle fonction? La mémoire. Exact, la mémoire, c'est bon. Dorothée, débutant par la lettre G. Cette partie du navire est située à l'arrière des bateaux et commandée par une barre qui permet de le diriger. Rachat, le gouvernail. Et pour Rémi, débutant par la lettre C, c'est une petite élévation de terrain qui est beaucoup moins haute qu'une montagne. Rachat dans l'équipe. C'est une colline. Liam, maintenant, tu as le choix entre symbole et forme géométrique. Forme géométrique, allons-y avec une collective. C'est un instrument à percussion qui est aussi une forme géométrique. C'est quoi? C'est un triangle. Deuxième, forme géométrique qu'on doit utiliser pour faire un cerf-volant. Naomi? Un losange. Losange, c'est bon. J'ai une ligne courbe fermée. Que suis-je? Anne-Marie? Un cercle. Un cercle, c'est bon. Et c'est une forme géométrique ayant ses côtés opposés de même mesure et parallèles, et ses quatre angles sont droits. Pour Liam? Un carré. Un carré ou un rectangle aussi, ça aurait été bon. Il vous reste une seule catégorie, et c'est une association. On va terminer avec ça. Vous devez associer le symbole à son image. Le symbole d'une compagnie avec l'image ou la partie de logo qu'on a dessiné, ou encore un logo, tout simplement. Alors, c'est ça. On vous donne une feuille. Et vous allez la recevoir fermée. Maintenant, vous la tournez et vous écrivez votre nom d'équipe dans le bas tout de suite. Et ensuite, vous associez le symbole à son image. Thank you.
On va aller la ramasser, ça ne sera pas très, très long. Envoie-la vers Naomi. OK, Naomi et Liam remettent les feuilles. Et ça avait l'air de ceci comme association. Le premier signe en haut, c'est une pomme croquée. C'est quoi? Apple. Le deuxième, c'est comme un crochet pour dire que c'est correct. C'est quoi? Nike. Ou c'est une déesse grecque, hein? C'était Nike. Fait que vous regardez dans le dictionnaire, Nike, c'est la déesse de quoi? Vous allez voir pourquoi c'est du sport qui est associé à ça. Et le 8 couché, c'est quoi? Infini. Et l'inconnu qu'on avait à trouver, c'était Nike ou Nike, qui était celui du milieu. Excellent. Alors, on va donner les points là-dessus. Et pendant que nos juges comptent, je vous invite à participer au Club des ingénieurs partout en région de l'Abitibi-Témiscamingue, nord du Québec. Vous pouvez nous joindre au 819-732-3221 au poste 3370. Ça nous fera plaisir de vous aider à installer le Club des ingénieurs dans votre école. Le Club des ingénieurs fait la promotion de la connaissance générale par le jeu questionnaire en particulier, au niveau des écoles primaires. Pointage, d'abord pour l'association, on a eu combien de points? On a eu un beau 30 points de la part de nos deux équipes, donc tout le monde connaissait bien tout ça. Et on va applaudir nos joueurs pendant que les juges finissent le calcul. Bravo! Pointage final maintenant, c'est une belle partie encore une fois. J'espère que vous saurez apprécier la performance des jeunes. Et si jamais vous êtes aussi bon qu'eux, vous pourrez peut-être venir jouer. On en fait aussi pour les adultes. 819-732-3221, poste 3370. C'est une bonne manière de s'amuser, de se détendre. Pointage final maintenant, 160 pour l'équipe Notre-Dame-de-Lourdes de la Corne et 250 pour Kino Jevisa de Rouyn-Noranda. Félicitations et toi. Merci chez vous. Bravo.